bonnes fêtes. On se retrouve aujourd'hui de nouveau avec une galette puisque c'est l'épiphanie. Par contre, je n'avais pas de poudre d'amande. C'est dimanche, j'avais qu'une seule pâte feuilletée et nous sommes que deux. J'avais par contre de la noix de coco râpée, donc j'ai décidé de faire une demi-galette. Une demi-galette à la noix de coco râpée et chocolat. Donc ça se marie bien, on verra ce que ça donne, on verra si monsieur est satisfait. Donc j'étais absente un petit moment puisque c'était les fêtes de Noël et ma priorité, donc c'était mon repas de Noël et de recevoir bien entendu toute ma famille. Allez, je vous montre cette recette tout de suite en espérant que ça vous plaise. Alors, pour ma petite galette à la noix de coco chocolat, j'aurai besoin de 50 g de beurre, une cuillère à café de maïzena, une cuillère à café de rhum, un œuf et de la noix de coco râpée et bien entendu du chocolat. Donc j'ai qu'une pâte feuilletée, donc je vais faire comme un chausson. Je mettrai ma garniture et je refermerai après. Donc je commence par peser mes 50 g de beurre. 55 g de beurre. 50. Donc après mon beurre, je vais mettre 60 g de noix de coco. Je remets ma balance à zéro et c'est parti pour 60 g. Je vais déjà commencer par mettre 2 minutes, vitesse 4. On laisse la température à 0. Donc les 2 minutes sont terminées. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher un petit peu tout au milieu. Ça fait pas beaucoup, hein, mais en même temps, on n'est que deux et j'ai qu'une seule pâte feuilletée. Et je n'ai pas envie d'en faire une autre. Je mets au milieu, je mélange 15 secondes. Pareil, vitesse 4. C'est terminé. Je vais maintenant mettre ma garniture sur la moitié de ma pâte. Donc maintenant, je vais rajouter du chocolat. Donc pour avoir des copeaux de chocolat, je le mets dedans et je vais le mixer. Donc, je vais mettre 30, là j'ai 30 g de chocolat. Je vais voir ce que ça donne. Ce chocolat que je rajoute, bien entendu, dans ma galette. Voilà. Ensuite, je vais fermer cette galette. Ah, on n'oublie pas la fève. Je n'ai pas de fève, alors. Un petit haricot blanc, ça fera l'affaire. De toute façon, on n'est que deux, donc ce ne sera pas compliqué pour choisir la reine et le roi.
faire ma galette. Je suis pas très bonne en décoration, donc on va rester dans le traditionnel, même si ce n'est pas une galette traditionnelle. Voilà, et je n'ai plus qu'à la bâche dijonner avec du jaune d'œuf. Voilà, donc maintenant je vais l'enfourner dans mon four qui est chaud. Je l'ai préchauffé à 180 degrés. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh.